Bonjour à tous et bienvenue. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, le gouvernement a pris 21 mesures afin de freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays. Toutefois, les gestes barrières élémentaires et la mesure exceptionnelle du couvre-feu de 21h à 5h du matin ne sont pas respectés par tous. C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Pourquoi certaines personnes ne respectent pas les mesures barrières? Haruna Kone a posé la question dans les rues d'Abidjan. Nous continuons d'emprunter les bacas. Souvent, il y a des lignes sur lesquelles les gens respectent, il y a des lignes sur lesquelles les gens ne respectent pas. Quand tu parles, le chauffeur et l'apprenti veulent parfois te frapper et on constate qu'il n'y a vraiment pas de contrôle. Moi, je trouve que non, c'est parce que l'État n'a pas mis le corps à biais dans les rues pour faire la même chose comme le couvre, puisque le couvre le premier jour. Ils ont vu que non, on chicotait les gens. Donc, ils sont obligés de respecter. Et maintenant, bon, si on faisait la même chose pour les cachets et autres, là, tout comme moi, je suis que non, ils allaient respecter. L'Ivoirien aime s'amuser avec tout. Même j'entends d'autres qui disent que non, on attend l'État n'a qu'à partager les cachets. La maladie qui vient, toi-même tu vois venir. Et puis tu dis que tu attends que quelqu'un te protège. Toi-même, il faut te protéger d'abord. Un gars de Bolé, même, comment on va faire quoi lui à terre? Donc, entre des séances, des séances. Ou d'Abali, là, il n'y a pas. Manger simple, il n'y en a pas. Nous, on a des chercheurs qui sont traduits praticiens, qui sont là. Ils ont cherché, ils ont trouvé le remède. Certains disent ne croient pas vraiment à la maladie. Ne croient pas vraiment à la maladie. Que souvent, les autorités ne montrent pas les malades. Mais normalement, si on montre les malades, selon moi, on aura peur d'approcher la famille de ces derniers. Voilà. Sinon, le corona existe réellement, il existe réellement. Vu que l'État même a pris les dispositions, les précautions pour pouvoir nous aider à éradiquer cette maladie, je pense que nous, la population aussi, c'est le moment de sensibiliser nos amis, de faire de porte en porte pour que cette maladie puisse partir loin de ce pays. Les gens de Cocody, ça pas la même chose. Même petit fille, tu vois, Cocody, là, tu vois, le corps a mis ses caches. Tu as vu, non? Mais à Bobo, là, quand même, tu connais, c'est comme les gens raillés comme ça, ils s'en foutent, ce qui est fait, ou bien. Il faut faire ce que tu veux, oh, ça va comme ça. Sinon, tu as trouvé à jamais un groupe comme ça, là. Il n'y a pas un qui est ça. Les Ivoiriens ne font que minimiser la chose. Vu qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, aller partout pour aller chercher des informations, il y a n'importe qui peut nous passer certaines informations qui ne sont pas fiables et on considère ces informations-là comme des informations qui viennent du ministère de la Santé. Or, c'est des informations qui ne sont pas fiables. Donc, on se sert de ça pour minimiser la chose. Incivisme, méconnaissance, difficultés financières ou privilèges, nombreuses sont les raisons pour lesquelles certaines personnes s'arrogent le droit eh bien, de ne pas respecter les mesures barrières. Alors comment s'y prendre pour parvenir au respect strict de ces mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? On en parle avec M. François Michard, ministre de la Ville et bien sûr aussi le maire de Trècheville. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour, et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous pour pouvoir parler aux Ivoiriens sur cette pandémie qui est une chose grave. Je crois que le micro-trottoir nous a permis de voir un peu les différents avis des Ivoiriens. Nous y reviendrons. Tout à fait. Face à vous, M. Akilas Yao, administrateur au centre ESD, Éducation pour une société durable, qui est un centre de formation à la culture citoyenne et politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Alors, le gouvernement a prorogé l'état d'urgence d'encore 15 jours, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril, en vue de consolider le dispositif opérationnel et de prévention de prise en charge des malades du Covid-19. Monsieur le ministre, quel est l'impact de ce type de mesures dans la lutte contre le coronavirus? Ce qu'il faut dire, c'est que le coronavirus est une maladie grave, une maladie dangereuse, une maladie mortelle, une maladie dont la contagiosité est forte et rapide. Et face à cette pandémie, le gouvernement ivoirien, qui a pour mission principale la sécurité des Ivoiriens, a été amené à prendre des mesures fortes. Et une de ces mesures, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence permet à l'État de donner une certaine légalité aux décisions qui sont prises par le gouvernement, principalement les ordonnances, avant que cela ne parvienne au Parlement. Et une de ces mesures fortes, c'est le couvre-feu. Puisque les premières mesures ont été la fermeture des restaurants, des bars, des lieux de spectacle, mais également
des mesures, disons, sociales, la distanciation sociale, éviter de se serrer les mains, de s'embrasser, le lavage régulier des mains. Mais tout cela, il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est important. Et c'est pour cela qu'on a prorogé, puisque les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes du gouvernement. Alors, Monsieur Yaou, vous représentez finalement la société civile sur le plateau. Comment ces mesures ont été accueillies par la population, selon vous ? De différentes manières, parce que le ministre l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une situation qui appelle, je dirais même, à la défense nationale, parce que le ministère de la Défense n'est pas seulement le ministère des Armées et le ministère de la Sécurité. Nous sommes dans un cadre où nous devons protéger les Ivoiriens. Après, quand les mesures sont prises, elles sont certes contraignantes, mais il y a un objectif. Et si après 15 jours, l'objectif n'est pas atteint, c'est normal qu'on prolonge, parce qu'il faut beaucoup d'humilité dans la gestion de cette crise dans tous les pays. C'est une crise mondiale, mais tous les pays se font leur expérience de la crise. C'est trop tôt pour juger l'efficacité ou l'inefficacité de ces mesures-là, quoique il y a des mesures à revoir. Pour notre part, on peut les aborder maintenant. Par exemple, pour moi, il faut revoir. Il y a souvent un deux poids deux mesures qui peut être perçu. Je prends un exemple. Les restaurants sont fermés, mais les marchés sont ouverts. Et moi, j'ai eu la chance de sillonner certains marchés, mais la distanciation sociale n'est pas respectée. Alors, justement, c'est... Concernant les marchés, il y a eu un débat là-dessus. Excusez-moi. Dans certaines communes, on peut fermer les marchés. Les habitants ont l'habitude de faire leurs courses une fois par semaine. Ils ont des congélateurs, ils ont des réfrigérateurs. Ils peuvent conserver leurs courses. Dans certaines communes, dans certains quartiers, c'est au jour le jour que les gens font leur marché, faute de moyens, parce qu'ils n'ont pas de congélateur. Si vous fermez les marchés, vous soulevez un autre problème humanitaire, un autre problème social. Et c'est pour cela qu'on demande le respect de la distanciation physique. On peut ouvrir les marchés, mais qu'on respecte la distance de 1 mètre entre les clients et 2 mètres entre le vendeur et les clients. Mais... Et je crois que cette mesure peut se faire. Elle a réussi dans certains pays. Pourquoi ne pas le faire? Et je dois rappeler que le chef de l'État, dans son discours, a parlé de la discipline. C'est la discipline qui peut nous permettre de réussir, c'est le respect de ces mesures barrières. On va venir à l'aspect disciplinaire et de l'incivisme. Mais d'abord, restons sur ces questions de logistique, puisque vous êtes à la fois aussi... On vous a surtout invité pour votre casquette de maire de Trècheville, vous avez la gestion d'une commune, mais il y a aussi cette casquette de ministre de la Ville. Vous êtes peut-être le plus à même à nous expliquer les difficultés qu'on rencontre dans cette gestion de crise sanitaire. Déjà, est-ce qu'on est tous conscients qu'en Afrique, sous nos tropiques, les villes connaissent des difficultés, notamment la surpopulation, le manque d'infrastructures? Est-ce que cela ne peut pas altérer la mise en place de toutes ces mesures? Non, je dois dire que toutes nos villes ne sont pas des mégalopoles. Nous avons des grandes villes, mais nous avons également des villes moyennes, nous avons des petites villes. Mais même dans ces petites villes, dans ces villes moyennes, nous assistons à l'indiscipline, à l'incivisme. Donc il y a plus un problème de mentalité qu'un problème d'infrastructure ou un problème de structure. Prenons le marché. Les marchés n'ont pas été construits avec l'idée d'avoir une distanciation d'un mètre. Dans aucun pays du monde, on a créé les marchés en mettant une distanciation d'un mètre. C'est la situation, l'urgence de la situation qui oblige à avoir de nouveaux comportements. Pourquoi on peut le faire dans les supermarchés et pourquoi on ne peut pas le faire au marché? À Trècheville, puisque vous avez parlé de Trècheville, je dois dire que dès nos premières réunions, nous avons invité les commerçantes à une réunion où nous leur avons expliqué les mesures. Et il appartient à ces commerçantes qui sont organisées en coopérative, en association, de pouvoir mettre cela en œuvre. On ne pourra jamais mettre un policier municipal derrière chaque commerçant, mais là également, je pense que le degré de responsabilité doit jouer. Je suis complètement d'accord, totalement d'accord avec Monsieur le ministre. Que j'ai voulu relever, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'imposerait pas aussi dans les restaurants la distanciation sociale de 1 mètre? Parce que ce qui se passe, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire au maximum l'impact économique de cette crise. Il y a certaines communes où des maires ont décidé de fermer, par exemple, des magasins. Mais en quoi est-ce qu'un magasin n'est pas
une entreprise, alors que des entreprises fonctionnent. Je suis juste en train de dire... Il y a des entreprises qu'on qualifie de non essentielles. C'est-à-dire les vêtements, pour les loisirs. Nous ne devons pas aller dans ce sens-là, parce que sinon on trouvera des exceptions à toutes les situations. Aujourd'hui, la maladie, elle est là, elle frappe. Elle frappe à tous les niveaux, elle frappe dans tous les milieux. Pour le gouvernement, ce qui est essentiel, c'est de freiner, sinon de casser la propagation de ce virus. Et quels sont les moyens qui ont donné des résultats ailleurs? Quand on prend le cas des pays qui ont connu le virus dès le départ, ceux qui ont eu une discipline forte et qui ont respecté cette discipline ont obtenu des résultats. On prend Taïwan, on prend la Corée du Sud, on le voit, les résultats sont là. Les pays où il y a eu un laxisme au départ, les résultats sont également là. Donc le vous gouvernement voulez dire de que Côte d'Ivoire a eu un laxisme a anticipé dès que nous avons eu les premiers cas, le Conseil national de sécurité s'est réuni et les premières mesures ont été données. C'est après, devant le non-respect de certaines mesures, que le gouvernement a dû prendre d'autres mesures. Et toutes ces mesures sont accompagnées. Elles sont accompagnées sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan humanitaire. Et je crois que là, on donne raison à ces mesures parce qu'il faut les appliquer. Elles n'ont pas été prises uniquement pour faire comme les autres, mais nous avons tenu compte du contexte ivoirien. Sinon, nous aurions pu aller directement au confinement, mais c'est en tenant compte du contexte ivoirien que nous avons pris des mesures graduées. Et vous avez vu que nous donnons chaque fois 15 jours pour pouvoir voir si on proroge, si on aménage. Et je dois dire que la prorogation s'est faite sur un constat de non-respect des mesures qui ont été prises à grande échelle. Non, il vient de le dire, mais je vais reformuler. L'état d'urgence et le couvre-feu, selon certaines personnes, restreignent les libertés fondamentales, comme la liberté de circulation, de réunion et d'entreprendre. Comment cela vous interpelle, monsieur le ministre? Quand on a écouté les discours de certains responsables d'autres pays, le thème qui est venu, nous sommes en guerre. Nous allons en guerre contre le virus. 2020 était une année de défis sur plusieurs plans. Mais personne ne pouvait imaginer que 2020 serait un défi mondial, un défi planétaire sur le plan sanitaire. Nous sommes confrontés à cela, il faut trouver des solutions. Donc, dans l'urgence, il y a des décisions à prendre et je pense que, pour le moment, tout ce qui est liberté individuelle n'est pas véritablement touché, mais c'est une question d'intérêt général, d'intérêt national. Il faut voir, est-ce que pour une personne, le pays peut prendre le risque de voir la partie forte de sa population touchée et immobilisée, ou alors il faut que chacun fasse un effort afin que la Côte d'Ivoire soit debout devant cette pandémie. Alors comment faire pour faire entendre raison à toutes ces personnes qui ne respectent pas ces règles? Vous pensez que c'est un problème de communication? Déjà, avant d'aborder la question, je suis d'accord avec la question de la distanciation sociale. Ce que je dis que chaque pays se fait son expérience de cette crise. Et si on ferme les restaurants, ce n'est pas ça véritablement le problème. J'ai fait la comparaison pour dire que dans les marchés, la distanciation sociale n'est pas respectée. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour que la distanciation sociale soit respectée? Sinon, finalement, ces marchés-là, pour éviter une crise humanitaire, risquent de devenir les épicentres de la crise. Maintenant, vous avez posé la question sur comment faire comprendre le bien fondé de toutes ces mesures-là aux populations. Pour moi, c'est de présenter l'enjeu. Comment on a tous intérêt à vite sortir de cette crise pour affronter l'autre crise qui nous attend après la maladie à coronavirus, c'est la relance de notre économie. Et si on le présente comme ça, on met en avant la responsabilité de tout un chacun. Vous savez, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas arriver à bout de cette maladie. C'est la nation ivoirienne qui va parvenir à le faire. Mais c'est comment est-ce qu'on trouve ensemble les solutions pour y parvenir? C'est ça la véritable question. Alors prenons l'exemple de la commune de Trècheville. Au-delà des mesures imposées par le gouvernement, est-ce que vous avez, vous, pris d'autres dispositions en tant que maire? Alors, dès la réunion du Conseil national de sécurité et les mesures édictées par le gouvernement, le conseil municipal de Trècheville s'est réuni en session extraordinaire. Et un arrêté municipal a été pris, d'abord concernant les marchés. Les marchés étaient ouverts pratiquement 24 heures sur 24. Nous avons décidé de les fermer à 15 heures. Pourquoi 15 heures? Cela nous permet de désinfecter le marché après le départ de tous les clients et de tous les commerçants et de permettre d'ailleurs
à ceux qui fréquentent les marchés de pouvoir respecter le couvre-feu qui commence à 21h. Nous avons pris la mesure suivante au niveau des transports. Nous avons supprimé les Gbaka, la circulation des Gbaka à 13 juillet. Et concernant les Wororo, c'est deux passagers derrière et un passager devant avec le chauffeur, mais avec le port du masque. Et concernant le port du masque, quand le gouvernement a lancé l'idée de rendre obligatoire le port du masque, la commune de Trècheville, très rapidement, a fait un geste. 40 000 masques ont été distribués gratuitement aux commerçants du marché et aux transporteurs pour pouvoir respecter cela. Donc il y a des mesures qui ont été prises au niveau du conseil municipal, mais qui vont dans le sens des mesures édictées par le gouvernement. Vous donnez l'exemple de Trècheville, mais le port obligatoire du masque concerne maintenant tout le Grand Abidjan. Et le chef de l'État avait aussi promis leur gratuité. Ce n'est pas encore le cas. Ne fallait-il pas d'abord s'assurer de la disponibilité de ces masques? Écoutez, c'est une course contre la montre. Des commandes ont été passées, mais ces commandes, elles sont faites au niveau mondial. C'est tous les pays qui passent leurs commandes en même temps. Donc, il faut servir les pays au fur et à mesure. La Côte d'Ivoire a passé commande de 200 millions de masques pour une population de 23 millions d'habitants. Et les masques, les premiers masques arriveront le 20. Mais à côté de ça, des masques qui sont commandés, il y a l'ingéniosité de nos artisans. À Trècheville, les 40 000 masques qui ont été distribués sont le fait des couturiers et tailleurs de la commune qui l'ont fait gratuitement et qui l'ont mis à la disposition du conseil municipal. Et je pense que cela peut se faire un peu partout dans les communes, dans les villes. Artisanaux. Nous avons suffisamment de masques. Et l'avantage de ces masques, c'est que ces masques peuvent être réutilisés après lavage à l'eau chaude. Alors, il y a aussi un autre problème que j'aimerais soulever avec vous. Depuis le début de la pandémie, des dons de vivres et de matériel sont faits aux associations et aux populations directement afin de faciliter le respect de toutes ces mesures barrières. Alors, comment comprendre que ces produits se retrouvent sur les marchés pour être vendus? N'est-ce pas choquant? Il y va de... Vous parlez de difficultés financières. Certains nous disent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des masques régulièrement. Mais quand on vous les offre et que vous les revendez, c'est de l'incivisme pur. Bien sûr. Nous sommes dans une situation qui appelle au civisme sanitaire de tous les Ivoiriens. Et cela révèle plusieurs défis auxquels notre pays est vraiment confronté. Et au-delà de notre pays, c'est tous les pays du monde. On a l'impression que cette crise fait ressortir beaucoup de tas. Aujourd'hui, c'est de demander aux gens de réaliser que, au-delà de leur propre personne, il faut prendre soin des autres. Il faut penser aux autres. Parce que même si je prends le cas dans le cas des personnes contaminées, on nous a dit qu'il y a beaucoup de sujets jeunes. Et que dans ce cas, il peut avoir des cas de rémission. Je dis il peut, parce qu'on ne maîtrise pas encore toute l'évolution de la maladie. Par contre, et les personnes qui ont des comorbidités, qui sont des personnes à risque, qui ont l'hypertension, qui ont plusieurs maladies comme ça, et les vieilles personnes, il faut penser à ces personnes-là quand nous prenons des décisions. Ce n'est pas un business, ce n'est pas un jeu. Nous sommes dans une crise et nous devons être des personnes responsables, des citoyens responsables si nous voulons sortir de la crise. Est-ce qu'il faut plus de répression, messieurs, ah oui, pour faire respecter ces règles? Je crois que le gouvernement a commencé. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a donné des instructions fermes à la police et à la gendarmerie. Tout comme le ministre de la Défense, le ministre d'État, ministre de la Défense, a donné des instructions à la gendarmerie nationale. Tous ceux qui ne respectent pas le couvre-feu subissent la rigueur de la loi. Ceux qui sont pris en flagrant délit de vente de produits distribués sont conduits immédiatement dans les commissariats. Donc, la phase de sensibilisation est terminée. Le gouvernement passe à la phase de répression parce que les enjeux sont considérables. C'est un sujet de santé publique et chacun doit comprendre qu'il doit se protéger et protéger l'autre. Mais n'y a-t-il pas aussi, sous nos tropiques, un aspect culturel? On a quand même l'impression qu'il y a une culture de l'impunité et de petits arrangements entre amis, voire de la corruption. Est-ce que cela ne participe pas à une irresponsabilité générale, laissant croire à chacun qu'il peut s'arroger Je crois qu'il faut enlever cela. C'est quelque chose qui est répandu dans l'opinion publique. Oui, il y a des privilégiés, il y a les en haut des en haut, il y a les en bas des en bas, il y a les au milieu de en haut, il y a les milieux d'en bas. Non.
Le président de la République a été clair dans son adresse à la nation. Nous sommes tous égaux devant la maladie. Nous sommes tous égaux devant la mort. Et je suis heureux qu'il y ait des témoignages de plus en plus à la télévision. Des personnes qui ont été contaminées et qui sont guéries, qui viennent témoigner. Et on voit que ces personnes occupent des rangs différents dans l'administration, dans notre société. Ça veut dire que la maladie peut frapper tout le monde et chacun aura les mêmes soins. Et nous devons éviter, parce que personne ne sera épargné si nous ne respectons pas les mesures et les gestes barrières. Alors la répression ne suffira certainement pas. Il faut poursuivre aussi la prévention et la communication dans les quartiers, parce qu'on a l'impression que dans certains quartiers ou certaines communes, les mesures sont plus respectées qu'ailleurs. Au-delà de... Il faut bien sûr la répression, mais je répète, le civisme sanitaire, c'est la priorité des priorités. Parce que l'État n'a pas pour objectif de mettre tout le monde en prison et d'arrêter tout le monde. C'est notre responsabilité. Et pour cela, moi, j'aimerais aussi dire qu'il faut lutter au-delà de la maladie à coronavirus contre l'infodémie. L'infodémie, c'est toutes les mauvaises informations. Les fake news. Exactement, qui tournent autour de la crise, autour de cette crise-là. Et pour cela, nous, en tant que société civile, j'aurais privilégié le bottom-up. C'est-à-dire que même si les informations viennent du haut vers le bas, mais dans l'application, il faut mettre dans la chaîne d'application tous les responsables communautaires. Même si c'est déjà fait, il faut amplifier les responsables communautaires, les guides religieux. Il faut faire de ces personnes-là, avec ces personnes-là, l'effet boule de neige pour faire comprendre aux populations que cette maladie est réelle et que nous devons en sortir le plus tôt possible. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures les moins respectées, par exemple, dans votre commune à Trècheville ? La distanciation physique. Le respect de 1 mètre est difficilement respecté. Le port du masque, nous avons eu du mal à le faire comprendre. Mais depuis quelques jours, de plus en plus de personnes confectionnent leurs masques, se font offrir des masques, et on commence à avoir de plus en plus de personnes qui portent le masque. Mais la distanciation pose véritablement problème. Mais cela est dû à la configuration même de nos quartiers. Trècheville, ce sont des cours communes, ce sont des concessions où vivent plusieurs familles, et dans une concession 60 mètres sur 60, vous pouvez avoir 80 personnes, 100 personnes. Comment vous faites? Et c'est là le problème du confinement. Si vous confinez toutes ces personnes à domicile, il suffit qu'il y ait une personne contaminée, c'est la centaine de personnes que vous exposez. Donc, il y a, comme l'a dit monsieur, il faut adapter à notre système. Donc, la distanciation, il faut aller à la sensibilisation. Et la sensibilisation passe par la décentralisation de l'information. Dans chaque commune, vous avez des responsables de communauté, vous avez des responsables de jeunes, vous avez des responsables de femmes, vous avez les dignitaires religieux. C'est à toutes ces personnes qu'il faut confier certaines responsabilités afin que chacune de ces personnalités parle à ses concitoyens, parle à ses adhérents, parle à ses fidèles pour que la mesure soit comprise d'abord et respectée. Alors, pour le port du masque, le lavage des mains, mais la distanciation sociale dans la promiscuité, comment on l'applique? Il faut le comprendre. Si vous ne pouvez pas ne pas respecter la distanciation physique, mais au moins porter le masque, puisque le masque protège d'une certaine façon la personne qui porte le masque et la personne en face. Donc, on peut déjà respecter cela. Si on respecte aussi le lavage des mains, ce que nous avons fait à l'époque d'Ebola et qui aurait dû rester une pratique courante, je pense que ce sont des choses qui nous protègent déjà un peu mieux que si nous ne faisions rien du tout. Alors, en vous fondant justement sur votre expérience de ministre et votre expérience de maire de Trècheville, avez-vous le sentiment que d'ici un mois, les populations auront intégré tous ces gestes barrières et leurs nécessités? C'est notre espoir. C'est ce que nous espérons. Mais au vu de ce qui se passe dans certains quartiers, au vu de ce qui se passe dans certaines communes, je crois qu'il nous faudra un peu plus de temps. Et les maires l'ont si bien compris, ils ont été reçus par M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation en fin de semaine dernière, et des instructions ont été données. Un échange a eu lieu et les maires ont pris des décisions. Il faut déjà dire que chaque maire dans sa commune mène déjà des actions à ce niveau-là, des actions de sensibilisation, des actions d'information. Et je pense qu'on va amplifier cela avec le temps.
Tous les soirs, le ministre de la Santé donne des chiffres. Je crois que ces chiffres-là doivent nous interpeller. Quand on parle, on passe de 1 contaminé à 54, à 60, je crois qu'on doit se dire que la maladie rôde autour de nous et que nous devons faire attention. Un dernier mot? Moi, j'aimerais juste dire aux populations qu'on a tendance à croire qu'on a en face de nous un ennemi invisible. C'est faux. Nous avons un ennemi visible, seulement qu'il est infiniment petit. Il se trouve souvent dans nos mains. Il faut respecter la distanciation sociale, se laver les mains, parce que j'insiste, nous avons intérêt à vite sortir de cette crise pour affronter la prochaine crise, le prochain combat, celui de la relance de notre économie. Messieurs, merci de votre participation. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, veuillez à respecter scrupuleusement toutes ces mesures barrières afin de freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays. Restez sur RTI 1.